C'est avec beaucoup d'efforts et d'application que cette histoire fut écrite par un homme de 72 ans, penché sur un cahier d'écolier, traçant de grandes lettres naïves. Il n'avait appris à écrire qu'à 35 ans. Je me nomme Jean Recoignet. Je suis né à Druy-les-Bellefontaines le 16 août 1776. Je connus une jeunesse malheureuse. Mon père avait épousé sa servante en troisième noce. Pour échapper aux coups de notre marâtre, à l'âge de 10 ans, nous partîmes, mon frère et moi, sans dire adieu. Je fus tour à tour berger, charretier, garçon d'écurie, jusqu'au jour où j'eus la bonne fortune de me gager chez Maître Potier, un riche maquillon du pays d'Auxerre. Cet homme fut longtemps mon vrai père. Il me donnait sa confiance. Je lui louais la force de mes bras. Grand-père, grand-père, monsieur Potier.